Ces courageux forbans devaient détruire les ponts, faire sauter les routes, couper les communications, brûler les magasins, bref, semer la terreur et provoquer dans les rangs ennemis le désarroi afin de faciliter la progression des unités régulières. Mais l'état de la mer, les vents contraires, les faiblesses du commandement, la mésentente chez les marins, l'incapacité des équipages, des erreurs dans l'échange des signaux, éloignèrent les deux commandants en chef de l'escadre, Hoche et Morard de Galles sur la frégate La Fraternité, des commandements en second, Bouvet et Grouchy, qui se retrouvèrent seuls en baie de Bountry, paralysés par leurs responsabilités. Ils disposaient pourtant de 7000 hommes. C'était plus qu'il n'en fallait pour débarquer à un moment où l'ennemi n'avait pas de force sérieuse à leur opposer dans la région et où la rébellion était prête à se déchaîner. Bouvet et Grouchy n'arrivèrent pas à s'entendre et les heures passèrent. Grouchy, il devait le démontrer à Waterloo, n'était pas homme à saisir les occasions. Quant à Bouvet, il tremblait de peur à l'idée d'être bloqué dans la baie par la flotte anglaise. Sans prendre la peine de consulter son collègue militaire, Bouvet prit sur lui le 25 décembre d'ordonner le départ au grand dame de Humbert qui avait, au cours d'une réunion d'état-major, instamment demandé que l'on débarquât sans délai. Le capitaine de vaisseau Lacrosse, qui commandait les droits de l'homme, avec Humbert à son bord, n'était pas homme à renoncer aussi facilement. Il fit une dernière tentative pour retrouver ses chefs et louvoya à l'embouchure du Shannon jusqu'au 7 janvier, puis il dut finalement se résoudre à quitter la côte irlandaise. Il fut repéré et pris en chasse par deux bâtiments anglais, l'Infatigable et l'Amazone. Un combat s'engagea qui allait durer 4 jours. Humbert avait formé ses soldats en carré sur le pont et attendait avec impatience un abordage que les Anglais surent éviter. Il n'est pas nécessaire de revenir sur cet épisode puisqu'il a fait l'objet de l'émission précédente. Beaucoup d'hommes ont péri dans ce naufrage du vaisseau Les Droits de l'Homme avec, à son bord, le général Humbert. Ce dernier parvint à s'accrocher à un radeau et à gagner la terre. Il avait perdu les 2/3 de son bataillon. Sa brillante conduite lui valut les félicitations du directoire, ce qui ne l'empêcha pas de dire tout haut ce qu'il pensait de Grouchy, dont il ne devait guère s'attirer ainsi les bonnes grâces. Tout chef qui a reçu l'ordre de débarquer et qui ne débarque pas, quelle que soit sa force, devrait être fusillé à son retour. On conçoit qu'un homme doté d'un tel franc-parler ait été tout désigné pour une nouvelle expédition en terre d'Irlande. Le 19 juillet 1798, Humbert reçoit de nouvelles instructions. Le directoire a décidé de secourir les Irlandais unis et de les armer. Il a confié au général Hardy le commandement supérieur de l'expédition qui doit partir de Brest. Une avant-garde composée des frégates la Médée, la Franchise et la Concorde, sous la direction du chef de division Savary, est armée à La Rochelle et placée sous les ordres du général Humbert. Sitôt nommé, il fonce vers Rochefort, où il arrive même avant le marin. Il accomplit des prodiges pour lever les derniers obstacles, car il sait fort bien que le temps joue contre lui. La rébellion irlandaise, qui a éclaté le 23 mai 1798, s'épuise progressivement. Humbert recrute des individus parlant anglais, Barthélemy Tilling, Thomas Wolfstone, un jeune frère de Theobald, et MacKeon notamment. On rassemble la petite armée, et comme il faut des cavaliers, le choix se porte sur le 11e hussard, mais les fiers sabreurs sont décimés par la maladie vénérienne, de sorte que l'on doit se rabattre sur le 3e chasseur, unité d'élite dont l'état d'esprit est aussi éclatant que l'état de santé. Tous ces braves gens ne rêvent que de tailler des croupières au Godam. Au 31 juillet 1798, il ne manque pas un bouton de guêtre, mais hélas, la caisse du trésorier payeur n'est pas au rendez-vous. 3 mois de solde étendus, c'est une nouvelle semaine qui est ainsi perdue, bien inutilement. On met la voile le 6 août avec 1100 hommes à bord, quelques femmes, 5000 fusils, autant d'uniformes, de paires de souliers, de gibernes, de coiffures, poudre, cartouches, boulets et 2 canons de 4, un très faible calibre. Les cavaliers escomptent trouver sur place de quoi se monter. Quant à l'alimentation, elle se résume à de l'eau de vie et quelques sacs de farine. Pour le reste, on espère
se nourrir sur le pays. Le dernier message du général adressé au ministre de la guerre est particulièrement émouvant. Nous appareillons et nous partons sous une minute. Tout est bien disposé pour remplir vos intentions et celles du gouvernement. Comptez sur mon zèle et le courage des braves troupes que j'ai l'honneur de commander. Adieu, salut et respect. Avec en post-scriptum, quels que soient les événements qui surviennent, comptez que je ferai respecter les armes françaises. Et de fait, Humbert allait accomplir une prouesse unique dans nos annales militaires. Une randonnée pédestre de 300 km en pays ennemi. Chaque homme supportant pour cette balade irlandaise en armes, équipements, munitions et vivres, un poids total de 58 livres, le fusil baïonnette, encombrant, outil d'1m92, pesant à lui seul 4,7 kg. Dans les annales guerrières, il y a eu certes des précédents, mais qui furent le fait, dans la plupart des cas, d'unités de cavalerie. Les sudistes pendant la guerre de sécession, le 16e dragon français pendant la Première Guerre mondiale. Cette aventure va être couverte du côté français par plusieurs participants. Le capitaine Joby, le sous-lieutenant Puton, Vosgien lui aussi, le sergent-major Thomas, tous trois de la 70e demi-brigade, l'adjudant général Fontaine, le général Sarrazin et Alexandre Moreau-Dejeuner, énigmatique statisticien, membre de l'Institut, auteur d'étonnantes aventures de guerre, auquel il est bien difficile d'ajouter crédit. Après un voyage sans incident, les frégates surchargées qui se traînent sur une mer miraculeusement calme et vide voient la terre le 19 août au soir au large de Downpatrick Head. Le 22, les bâtiments qui arborent par prudence la flamme de guerre anglaise sont accostés par des pêcheurs qui offrent de les piloter. Quelques loyalistes, venus faire sympathie à cette flotte amie, découvrent trop tard le subterfuge et se retrouvent prisonniers avant d'avoir pu donner l'alarme. Le village de Killala étant situé à quelques 10 km du point de débarquement caché par la pointe de Kilcommon, l'opération est exécutée d'autant plus rondement que Savary a grand hâte de regagner la France sans se faire repérer. Humbert confie une centaine de grenadiers à Sarrazin qui marche aussitôt sur le village, guidé par MacCahon. Killala baigne dans la quiétude la plus complète. Au château du révérend Stoke, une réception bat son plein qui réunit la famille de l'évêque protestant, le clergé du diocèse, les personnalités locales et quelques officiers du détachement de cavalerie posté à Ballina, à 12 km de là. À la stupeur générale, un domestique affolé annonce d'une voix blanche que les Français marchent sur le village. La fusillade s'engage. Les Anglais déplorent 4 tués, 4 blessés et laissent aux mains des Français une vingtaine de prisonniers, tandis que le reste des défenseurs de Killala s'évanouit dans la nature. Humbert se présente au château. Dur, hautain, il menace, rugit, brandit ses pistolets, exige des chevaux, des voitures, des vivres. Il faut faire vite. Dans le même temps, il fait coller des proclamations appelant la belle jeunesse du pays à se rallier. L'adjudant général Fontaine, qui est chargé de l'incorporation des recrues, voit affluer une foule de paysans frustres, misérables, presque sauvages, abrutis par l'état de semi-esclavage auquel ils ont été réduits par les propriétaires anglo-irlandais. Vivant dans des conditions abjectes, comme les serfs du Moyen-Âge attachés à la glèbe, n'ayant pour seul toit que des huttes sordides faites de boue pétrie avec de la paille, ils sont éblouis de se voir soudainement habillés, chaussés, coiffés et armés et surtout de pouvoir manger de la viande, luxe auquel ils ne sont point accoutumés. Ce spectacle frappe l'imagination des soldats français qui n'en croient pas leurs yeux et s'en trouvent renforcés dans leur détermination de libérer ces miséreux d'un joug intolérable. On rassemble chevaux, charrettes, troupeaux dont s'en heurte avec l'évêque en qui Humbert s'obstine à voir un magistrat municipal alors que ses compétences, il le proclame hautement, sont purement religieuses. Un service de renseignement est mis en place pour tenter de classer les informations sur l'ennemi. Position, nombre, armement. De fait, un peu partout, les propriétaires anglais sont saisis de panique. Au point que Humbert pourra se flatter, « Moi, modeste marchand de peau de cabri, j'ai fait vaciller le trône de Georges III. » 130 000 hommes sont sur le pied de guerre. De Ballina, les Français marchent sur Castlebar, la vigne principale de la région. Il y a là 800 Français,
un millier d'Irlandais, mais un seul canon. On a oublié à Rochefort les harnachements pour atteler l'artillerie, de sorte qu'il a fallu utiliser les cordes des cloches de l'église de Killala pour remorquer la pièce. L'armée aborde la longue montée de Windy Gap. Parvenue au sommet, elle est repérée par un fermier loyaliste qui part au triple galop donner l'alerte. Lake se refuse à le croire. Pour en avoir le cœur net, il dépêche une patrouille qui confirme l'arrivée des Français du côté où on ne les attendait pas.